Ce n'est qu'une fois broyés que nous tirons le meilleur de nous-mêmes. Bohémile Rabal, une trop bruyante solitude. Je peux entrer? Bon, pas de réponse. Qui ne dit mot consent? Alors, je le prends comme un oui. C'est à toi que je parle. Oui, toi, Google, mon Google bien-aimé. Ma main tremble. Mon Dieu, je n'arrive pas à aligner deux mots. J'ai l'impression de pénétrer dans ta tombe. Non, pas ça. Assez. Les tombes, les rites mortuaires, les rigueurs embuées, les visages fripés, les mines déconfites, les formules émues, les encensoirs puant la mort. Je rentre dans ta feuille sur la pointe des pieds. Et rien n'a bougé. La terre n'a pas tremblé. Le soleil ne s'est pas fêlé. Le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Et aucun vase ne s'est cassé. La maison tient bon. Tient bon. Depuis le jour de l'accident, ton cahier, ton ultime cahier ne me quitte plus. Toujours sous mon oreiller. La police l'avait repêché de la carcasse de la voiture, complètement écrabouillée, à la sortie de la maison hantée. Et toi, avec. Mais lui, intact. Ton ego de papier. Dernier tome de l'œuvre de ta vie. Ton journal intime. Étalé sur 30 ans. Tes dernières notes. Tes dernières lignes. Tes dernières volontés. Je ne les avais pas encore lues avant ce soir. 3 jours que tu y es parti. 3 jours que tu y es parti. Neila dort à mes côtés en serrant Aoutoul. Il est, je ne sais pas, 1h du matin. Pas moyen de dormir. Pas d'appétit pour le sommeil. Alors, je fais comme toi. J'écris. Sur ton journal. Oui, ton journal. Ce n'est pas très catholique, je sais. Ce n'est pas très saint, sur la frise de sacrilège, avec en prime quelque chose de morbide. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ton journal était et ton journal. Et je n'ai rien à y faire. Mais il était sur toi, ce cahier, sur ton corps, sur tes genoux. Il portait encore ton odeur, tes empreintes, les ultimes traces de tes mains. C'était encore tout chaud, ces lignes, tes toutes dernières notes. Tes ultimes instants sur notre planète. Body, writing, roman, annulé à l'inventaire. J'ignore si ces mots sortiront un jour de cet antre ténébreux. Cette réserve obscure de la grande bibliothèque qui empeste la cellulose moisie, le vieux papier putréfié, ce sous-sol glauque, gris, où sont entreposés des milliers de livres qui, comme moi, ont été mis en rebut, et que les gardiens de ce temple de la lecture organisée appellent le magasin aveugle. Des milliers de livres qui, comme moi, portent la mention pilon, la sentence fatidique. Ce mot lugubre qui résonne comme une condamnation à mort. Et la formule annulée à l'inventaire, ajoutée à ma page de garde comme pour appuyer la sentence. Me voici dégradé, déchu, relégué au rang de déchets papier,
de déchets littéraires. J'ai été expulsé comme un malotru de la banque de prêt après avoir été délogé des rayonnages lumineux de la grande bibliothèque, où je trônais comme une intrusion magique, calée entre la disparition de la langue française d'Assia Djebbar et l'étoile d'Alger de Aziz Chouaqi. Oui, je vous le confirme, je suis un livre, body, writing, roman, ISBN 78 9931 04 056 9, 15 par 23 cm, 244 pages, exclu du pré, éjecté, oui, de la grande bibliothèque pour être jeté dans ce trou. J'entends de nouveau l'affreux crissement du chariot poussé nonchalamment par l'homme en combinaison grise, se fourvoyant dans le dédale de la bibliothèque, convoyant une nouvelle tripotée de livres retirés des collections, avant de les déverser en vrac dans ce capharnaüm. Une nouvelle fournée d'opus, estampillée comme moi, pilant. Livre trop vieux, livre obsolète, livre abîmé, livre numérisé, livre réincarné, livre mutant, livre plagiaire, livre en mille et un exemplaires, livre de starlette passée de mode, livre boudé, peu emprunté, livre ne répondant pas aux critères d'enrichissement des collections. Et j'attends. J'attends la prochaine benne, la prochaine navette vers la faucheuse d'Alphabet. Le grand retour vers le grand rien, la page blanche virginale. Avec un peu de chance, je pourrais être recyclé en grand bouquin de philo, ou en BD, ou même en encyclopédie des pois chiches, cela me convient. Hasardeuse métamorphose, improbable métempsychose qui ne garantit aucune fin honorable. Imaginez si, à Dieu ne plaise, j'étais réincarné en PQ. L'anti-Œdipe, capitalisme et schizophrénie, Deleuze-Guattari, achève de nous couper tout espoir. Plus que quelques heures, les amis, et la presse à papier, machine déprimante si l'on est, va nous déchiqueter, sans état d'âme. Nous allons choir dans le rectum du capitalisme éditorial et la poubelle de l'industrie du livre va se déliqueter de nos papiers jaunis, nos épîtres fripées et nos belles théories sur le désir. L'écrivain m'écrit et moi, j'écris l'écrivain. Il cherche ses mots, cherche, ne sait. Il m'a contaminé sans. Écrire donne sur un précipice, vertigineux, abîme deux. Les signes, lui. Il, ne. Négatif, du. Éloge du silence. Élégie du néant. Courage. Je veux vous faire partager l'expérience douloureuse et exaltante de l'écrire. Projet périlleux. Aporie. Porte fermée. Je suis peut-être, puis-je, que. Ponctuation désordonnée. Chaos. Post-it. La solution vient de la narration. Ce n'est pas l'avenir qu'on construit avec ce qu'on aime, dis-tu, mais le passé. Et tu m'as légué tous ces cahiers, testament ni mode d'emploi, ces cahiers charniers, l'œuvre intégrale de ton passé tourmenté,
Ce passé, justement, ton passé, notre passé, ce qui s'est passé, je le connais si peu finalement, si mal. Qu'avons-nous construit ensemble a posteriori? Je ne m'étais encore jamais posé la question jusqu'au jour où tu es parti. Et me voici héritant de ton journal, tes manuscrits, comme d'un intrus encombrant, un cadavre dans le placard. Cadavre cellulosé, ankylosé, nécrosé, névrosé, pieuvre démesurée aux organes éclatés. Chaque fois que ma main se porte vers l'un de tes carnets, je suis saisi de frayeur, transi d'effroi. J'ai l'air d'une charognarde. Body writing, roman annulé à l'inventaire. Post-it. J'ai toute la vie pour écrire et toute la mort pour publier. Je suis né dans la tête d'un écrivain tourmenté. J'ai vu le jour il y a de cela, je sais pas, je sais plus. Je sais plus où je suis, d'où je parle, d'où je déroule mon récit. Le cylindre du pilon, ou le temps circulaire, ou cette narration déglinguée, ou le trou noir de l'écrivain et son monde désordonné, et sa tête qui tourne sur elle-même, chaos. Étourdissement, vertige, et ça recommence. J'ignore si ces mots sortiront un jour de cet antre ténébreux, cette réserve obscure de la grande bibliothèque qui empeste la cellulose moisie, le vieux papier pétrifié, ce sous-sol glauque, gris, où sont entreposés des milliers de livres qui, perdus, me voici de nouveau perdu. Je ne sais pas d'où je parle. J'ignore de quel côté du curseur je remue, à quel jour, sur quel axe du temps, de l'espace, de la géographie, de l'histoire, de ma destinée. Je ne sais si je suis mort, écrabouillé par le pilon, ou bien toujours de ce monde. Tout se mélange pour moi, en moi. Les dates et les lignes et les signes et les narrations s'écrasent en un magma confus. Le temps autour de moi se désagrège. La texture du temps s'effiloche. Tourbillon de signes et de dates. L'écrivain m'écrit et moi j'écris l'écrivain. Dans la grotte de l'écrivain, il fait noir, il fait nuit, il fait peur. Peut-être suis-je déjà passé par les dents du pilon, oui, et que c'est ça la mort. C'est la mort qui a ce vertige, cette texture. C'est de cette manière que meurent les livres, en devenant fous et déroulant à l'infini des récits décousus, des papyrus chiffonnés, comme ce conte halluciné où s'abîment mes mots. L'écrivain m'écrit, et moi, j'écris l'écrivain. Phrase incommensurable, narration déréglée, dévalant les âges comme les escaliers abrupts d'Alger et se précipitant dans cet abîme, ce creuset formidable où crépitent des verbes inoffensifs. Je suis mort et je ressuscite, et je remeurs et je ressuscite, réincarné en verset, ou en forêt, ou en oraison, ou en galimatia glapissant, mais toujours happé, emprisonné par ce palimpseste démesuré, cet épouvantable texte circulaire et sa spirale étourdissante. Je suis condamné à l'errance scriptique,
jusqu'à ce que quelqu'un appuie sur le bouton off du texte, le cancer du texte, et arrête cette phrase incommensurable, cette narration démente qui s'étire et s'étire et s'étire et se love et se déploie en d'infinies reptations comme un monstre biblique sorti d'un cri gigantesque. L'écrivain est un personnage comme les autres. Arraja al-Musadaqa al-Tadhkira. Veuillez valider votre ticket. Transport urbain Sétif. Al-Jumhuriya al-Lubnaniya. Wizarat al-Siyaha. Droit d'entrée 500 livres. 500 livres. Miblos. Encore un ticket de l'Étusa. Le Corbusier et la question du brutalisme, jeudi 19 décembre 2013. Ticket de train Arab Abzouar, 23 janvier 2014. L'écrivain ne jette rien, ne jette rien. Et tout est parti de là. Ce roman, cette histoire, l'histoire de cette femme, Nadia, happée, vampirisée par ce monstre de papier, ce cadavre de papier bavard et envahissant. Et tous ces vestiges attribués à Rachid Sidi Ibrahim sont en réalité ceux de l'écrivain lui-même, copie conforme de ses névroses. Cet animal, je l'ai connu. J'ai poussé dans ses bras ses carnets, ce journal tentaculaire, ses tickets de train, de métro, ses tickets de caisse, de cinéma, de manège, de zoo, de restaurant, ses cahiers d'écoliers, ses vieux journaux, ses pensées fugaces, ses post-it collés un peu partout. L'écriture est un puzzle. J'écris pour apprivoiser la mort. J'ai toute la vie pour écrire et toute la mort pour publier. Le point G de l'art. Son point d'orgue orgastique, c'est quand l'esthétique rencontre la sincérité. Il ne jette rien. Atteint de ce toc appelé syllogomanie, spécialité papier. Et c'est de là que tout est parti, je l'affirme. Une masse critique de déchets papier, déchets documents, déchets devenus documents. Et cette montagne de vieilles reliques. L'atelier croule sous le poids de ces vieilleries exhumées. Vieux manuscrits, vieux bouquins, vieilles lettres, vieilles photos, vieux journaux, vieilles blessures, vieilles boîtes à chaussures, vieux paquets de cigarettes, vieilles tablettes de chocolat, vieilles utopies, vieilles factures, vieilles amours, vieilles cassettes, vieilles chansons, vieilles peurs, vieux posters, vieilles rengaines, vieux démons, vieilles godasses, vieilles blagues, vieux jeans, vieux rêves, vieilles querelles, vieilles obsessions, vieilles cicatrices, vieilles chimères, vieux jeux,
Vieux jeu, vieille enfance, vieille enfance. Et les lettres de refus. Les lettres de refus fièrement punaisées au-dessus de sa table de travail. Paris, le 30 août 2011. Monsieur, nous vous remercions de nous avoir communiqué votre texte de théâtre. Malheureusement, notre production étant très réduite, nos choix en sont d'autant plus restrictifs. Ainsi, nous a-t-il semblé que votre livre ne correspondait pas à ce que nous recherchons pour nos collaborations. Avec nos regrets, nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos salutations respectueuses. Édition POL. Je suis un honnête poète qui gagne ses vers à la sueur de ses rêves. Udliv, Udliv, c'est vrai que nous allons tous mourir? Le très austère Tredez, traité du désespoir, Søren Kierkegaard. Penses-tu vraiment que ces beaux esprits vont tous y passer? Platon, Spinoza, Virgile, Zénodote d'Éphèse, Averroès, Saint-Augustin, Dante, Hegel, Hölderlin, Ibn Arabi et le grand Shakespeare? Serait-il possible qu'on subisse le même sort que nos lointains ancêtres de la bibliothèque d'Alexandrie, de Persépolis et les rouleaux brûlés de la mer Morte? Udliv, Histoire universelle de la destruction des livres, Fernando Báez. Il est certainement le mieux renseigné d'entre nous sur les tourments infligés à mes sœurs et mes frères de papier. Incollable sur les bibliocaustes, les autodafés, les calamités libricides, les procès faits aux livres et toute la chronique macabre des pilonnages en tout genre qui émaillèrent l'histoire de notre espèce. Udliv opina simplement du chef en signe de hélas, pas de grâce possible, à moins d'un miracle ou d'une amnistie livresque. Pendant longtemps, dans mon pays, les écritures dissidentes, les livres jugés irrévérencieux étaient bannis des écoles, des universités, de la télé, des bibliothèques publiques et des colloques intello. Pendant longtemps, le ministère de la langue publiait chaque matin la liste des mots qu'il n'était pas de bon ton de prononcer ce jour-là. Des mots, des noms pas très propres. Remplacés par des mots, des noms propres. Très propres sur eux, très comme il faut, des mots corrects, polis, lisses, validés par la police de la grammaire orthodoxe, des mots BCBG, soigneusement filtrés par la brigade lexicale. Une littérature obéissante émargeant en ministère de la langue de bois. Pendant longtemps, dans mon pays, on a enjoint aux écrivains d'écrire joli, d'écrire poli et de fermer leur gueule pour être lus. Après, on a voulu leur clouer le bec pour de bon, leur coudre les lèvres littéralement, un bâillon dans la bouche. Et une balle dans la caboche. Le diwan de la secte chafouine étouffant tous les verbes,
tous les mots. Iqra. Lis au nom du Seigneur ton Dieu qui a tout créé. Qui a tout créé à partir d'un verbe, le verbe lire. Mais eux, ils lisaient tout à l'envers, tout de travers. Ils ont mélangé toutes les lettres, les paroles saintes. Un jeu de Scrabble mortifère, dont tous les mots mènent à l'échafaud. Ils n'écoutaient plus que leur divan, leur bréviaire. Tout le reste, à leurs yeux, c'était les versets sataniques. Et ils décrétèrent que seuls eux avaient le droit d'être publiés, lus, commentés. Obnubilés qu'ils étaient par leur vulgate obscure. Et ils lui faisaient une promo d'enfer. Comme si Dieu avait besoin d'un agent littéraire. Et ils répandirent leurs mots hargneux. Et leurs harangues foudroyantes plongèrent les bibliothèques dans un silence religieux. Un silence de mort, d'une balle dans la narration. Et ce n'était pas une métaphore. Djaout l'avait prédit. À l'heure qu'il est, ils ont déjà brûlé tous les livres en un incendie exorcisant. Ils ont compris le danger des mots, de tous les mots qui n'arrivent pas à domestiquer et à anesthésier. Car les mots, mis bout à bout, portent le doute, le changement. Il ne faut surtout pas qu'ils entretiennent l'utopie d'une autre forme de vérité, de chemins insoupçonnés, d'un autre lieu de la pensée. Ceux qui, défiant l'injonction, s'agrippent aux mots incontrôlés, doivent être mis hors d'état de nuire, par le bâillonnement, la liquidation si nécessaire. Tahar Djaout, le dernier été de la raison. Sauvé du feu et de l'oubli.